même pas. On n'est pas où. Oh mon Dieu. Voilà, voilà, voilà. Oh. Oh. Moi, je ne dors pas. Depuis là, je ne trouve pas le sommeil. Je vous assure. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Moi, je ne dors pas. C'est comment? Non, pardon, ne regardez pas mes boutons. Hein. Je ne me suis pas maquillée, pardon. Faut excuser, maman, je suis malheureuse. Ouais! L'enfant de quelqu'un, l'enfant de Truy, l'enfant de Truy, moi-même qui ne le connais même pas, je vous manque pas, je n'ai pas dormi. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Le Cameroun a fait peur. Le Cameroun fait peur. Ça fait peur. J'ai peur. Adifia, j'ai peur. Oh, l'enfant de Truy. L'enfant de Truy. L'enfant de Truy. L'enfant de quelqu'un. Ouchou. Ouchou. L'enfant de quelqu'un. Ayez même souvent honte. L'enfant de Truy, il vous a fait quoi? Voilà l'enfant de quelqu'un, il vous a fait quoi? L'enfant de Truy vous a fait quoi? Ah, mon Dieu. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? L'enfant de Truy, regardez comment l'enfant là est innocent. L'enfant de quelqu'un, d'une femme qu'elle a accouchée. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez même de quoi? On parle d'être quelqu'un, on parle d'un être humain. Vous me parlez de quoi? Le Cameroun doit prouver maintenant là. Le gouvernement doit prouver qu'on peut faire les enquêtes. Donc, le gouvernement maintenant doit montrer qu'on peut faire les enquêtes et retrouver. Et maman, l'enfant de quelqu'un. Maman. L'enfant de Truy. Est-ce que quelqu'un ça maman? Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, je ne trouve pas le sommeil. Je suis devenue soulade. Je bois. J'ai recommencé l'alcool que j'avais laissé. L'enfant de quelqu'un. J'ai recommencé l'alcool. J'ai repris la boisson. J'ai repris. Quelle tragédie! Quelle trahie, la mère là va faire comment? C'est la maman. J'ai dit que c'est l'enfant qui doit enterrer la mère ou bien c'est la mère qui enterre l'enfant. C'est quoi? Ouchou lili. Ya.
Maman, excusez-moi, j'ai même pas mis le menthol. Il faut pardonner. L'enfant de quelqu'un, maman, l'enfant de quelqu'un. Moi, je l'ai. C'est dit que moi, je veux savoir. Il faut bipper les stars de Snapchat là. Les filles qui marchaient avec l'enfant-ci. Vous comprenez? Maman, si tu vois quelqu'un boire son champagne, laisse la personne boire. Si tu vois quelqu'un aimer son Facebook, hein, laisse la personne aimer son Facebook. Ne me dites plus de ne plus boire. Si vous voyez quelqu'un qui est malé en boîte, ne dites plus aux gens que ne fais pas ceci, ne fais pas ce que tu ne connais pas ton jour. Parce que quand tu es assis comme ça là, même si je marche sans caleçon, ne me dites pas ma faute, ne marche plus sans caleçon. Parce que quand tu sors de la maison, ceux qui ont dit que Flo ne boit plus là, ceux qui disent qu'on ne boit plus là, l'alcool, vous comprenez? Tu peux parler avec quelqu'un maintenant, à l'heure si mini-minor. Tu parles avec une personne là, on t'appelle, on te dit que la personne est d'aille. Donc si quelqu'un boit son alcool, je ne veux plus les histoires que tu as bu, tu as fait ceci, tu es monté, tu es descendu, maman, L'enfant de quelqu'un. L'enfant de truie, moi je veux les explications. Moi, en fait, je lance au direct parce que je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'arrive pas à dormir depuis que j'ai vu les images parce que moi j'ai vu ça hier matin. Hier matin, une personne de connue m'envoie les images. J'ai dit que mais c'est quoi ça? Donc en fait, hier, comme on était pour le conteneur et tout. Je suis rentrée tard, j'ai travaillé au bureau, vous savez, comme les nouveaux produits sont sortis, je travaille beaucoup. Même demain, dimanche, je vais aller travailler. Je travaille énormément. Donc le matin, je me lève. J'ai ma fille qui me dit, Tata Flore, t'as vu sur Snapchat? Je dis, mais quoi? Je dis, je ne connais pas manipuler Snapchat. Elle me dit, regarde, c'est grave. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais. C'était le matin. Hier matin. Il était quelle heure? Je dormais encore. C'était le matin. J'ai dormi avec les enfants. Parce que je suis partie. Comme on fait le conteneur, je suis partie à Compiègne hier. Pas revenu à Paris. Je suis pas restée là-bas. Je m'habille restée. Le matin, comme j'étais couchée dans la chambre avec les enfants. Le matin, je suis en train de dormir, la petite, ma fille me dit, Tata Flore, réveille-toi. Je dis, mais je dors encore, j'ai sommeil. Comme je dors avec la pluie, mes écouteurs et la pluie. Elle me dit, mais Tata Flore, réveille-toi. Je dis, mais je me réveille pour toi. Elle me dit, oh, c'est grave à Snapchat. Je dis, quoi? Moi, je ne connais pas manipuler Snapchat. Elle me dit, bah écoute, il y a Fombor, il est mort. Je dis, pardon? Je dis, mais c'est qui? Elle me dit, ouais, c'est les amis de NK avec Coco Emilia. En fait, il marche avec les stars. Et il n'a pas de clan. Il est avec tout le monde. Je dis, mais c'est vous qui avez Snapchat là-bas. Moi, je ne connais pas le debout de Snapchat. Elle me dit, ouais, on est en train d'annoncer qu'il est mort. Je dis, mais je ne comprenais pas. Il était dans les vapes. Le matin même, à l'heure là, je me lève, j'envoie le message au frère d'un footballeur. Je ne donnerai pas le nom. J'envoie le message au frère d'un footballeur. Je demande que, mais excuse-moi, on dit que tel est décédé. Hey! J'ai dit que, dis-moi un peu, on dit que tel est décédé là. Est-ce que c'est vrai? Il me dit que c'est vrai. Je dis, pardon. C'est où il m'envoie les photos. Maman, je vais vous expliquer un truc. C'est pour ça que ces photos ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est tellement... Tu vois ça, tu ne manges plus la viande. Les photos de l'enfant là. Quand j'ai vu, quand on m'a envoyé les photos pour dire que voilà ça, c'était... On m'a envoyé les photos hier matin pour dire que voilà les photos. Je vois quelqu'un qu'on a tchouqué. Quand j'ai regardé les photos comme ça, j'ai dit, mais tu es sûr? Il me dit que oui. Je vois quelqu'un qu'on a découpé à la machette. Parce que ça, ce n'est pas le poignard. Ça, c'est la machette. La machette qu'on a coupé quelqu'un avec la machette.
Vous qui voulez la haine au Cameroun, là, vous voulez que le Cameroun... Il y a des meurtriers, il y a des personnes qui sont déjà prêtes, qui ont limé leur machette posée, qui sont prêtes à découper. Ils attendent que l'occasion. Donc, tuer quelqu'un n'est plus rien. Donc, l'enfant de Trouy, j'ai vu les photos là hier matin. Les photos de l'enfant là. J'ai reçu les photos et la vidéo. Comment il est couché comme ça là. Mort déjà. Les trous sur son corps. J'ai dit que minimum s'il n'a pas été beaucoup choqué. C'est minimum. Peut-être, on va même dire que peut-être même 20, 30 coups de couteau. Un gros trou comme ça ici. Seigneur Jésus, où va le monde? Où va le monde? Moi, ce que je ne suis pas en train de comprendre, c'est que où va le monde? Comment on peut tuer l'enfant de quelqu'un comme ça? Autant mieux, j'ai dit que moi, je dis si quelqu'un veut me tuer un jour, autant mieux tuer par balle. Une balle dans la tête. Comme ça, même, tu meurs une fois. Les coups de couteau. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même si c'est. C'est-à-dire que quand tu vois ce truc, tu sens le règlement de compte à 10. Donc tu vois une fois que dans la vie, il y a des personnes, on dit que l'enfant là était quelqu'un de bien qui marchait avec tous les stars. Mais dans la vie, tu as toujours ton ennemi quelque part. Tu as ton nez. Dans la vie, si tu as toujours ton ennemi, quelqu'un qui te déteste quelque part, pour rien. Que ce soit dans la famille, les amis, les connaissances. Parce que ce n'est pas donner le champagne aux gens, ils boivent. Que ça veut dire que comme tu as donné le champagne, on va t'aimer. Il y a les gens qui te détestent pour rien. Parce que tu as une belle voiture. Parce que quand tu pars en boîte, tu farotes. Il y a les gens qui te regardent faroter. Ce n'est même pas leur argent. Ça les fait mal. Parce qu'ils t'ont vu en boîte, tu donnes l'argent aux gens. Pourquoi l'Africain est jaloux comme ça? Ça, c'est la jalousie. Pourquoi les Africains sont jaloux à en boîte, l'enfant de Trouy, il boit ses champagnes, il marche avec les stars là, où est le problème? Un enfant unique, hein. Ce que je comprends, c'est que il est seul à sa mère, la pauvre maman, la pauvre mère, la pauvre maman qui, ça dit que, ouais, on va, ouais, la pauvre maman. L'enfant de quelqu'un, maman. Ouais, même si c'est qu'un. Même si cet enfant avait fait quoi n'importe qui, ce n'est pas de cette façon. Mais il y a une chose qui m'intrigue en fait. Il y a quelque chose. Moi, quand je comprends l'explication, attendez, je vais mettre, on va écouter nous tous. Quelqu'un qui explique, maman. Moi, je veux savoir ça, petite amie. Je ne comprends pas parce que. Hein, il y a un truc que je ne comprends pas. Pardon, attendez, je vais me... Aïe, putain, j'ai cogné mon pied. Ouf. J'ai cogné mon pied sur la chaise, putain. Ah, il y a un truc que je ne comprends pas. Maman, j'ai cogné mon pied, pardon. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai cogné mon pied, mon tibia. Oh putain. Comme mes pieds alors sont grand galette là. Quand je cogne mon pied comme ça, j'ai mal. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que sa petite amie, elle faisait quoi au fait? Ah. Comme ma mère, elle m'appelait. Moi, je n'ai jamais compris. Elle m'appelle pourquoi? Ah. Moi, je ne suis plus une gamine. Je suis en train de faire mes choses, on m'appelle. Non, moi, je suis une maman et puis je suis une star. Ce n'est pas que le 1, 2, 3, on va m'appeler, on va m'envoyer. Non, pardon. Il faut m'excuser, j'arrive. Il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Je vous assure, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est. La fille là qui a fait le vidéo à Snapchat là-bas, là-bas chez les stars, là-bas à Instagram là. Je demande, hein, en fait, elle faisait quoi? Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que j'ai même cassé une ongle. Mais moi, l'ongle, moi, j'ai fait les ongles. Regardez.
Moi, je comprends pas. Quand tu dis que tu expliques la situation, tu dis que tu t'es. En fait, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Parce que si on est en train d'agresser ton ami, c'est parce qu'il arrive à conduire, qu'il s'est. On l'a poignardé, il a démarré la voiture. Mais pourquoi tu ne cries pas? Tu te mets même. Je ne comprends pas. Tu te déshabilles même. Tu te déshabilles pour prouver que vous n'êtes pas des voleurs. Maman, je vais mettre la vidéo, on va écouter, non? Maman, moi, je ne comprends pas la fille là. Qui est Instagram là? La fille là qu'on dit que c'est elle, on est parti chercher là-bas à Titi Garage. À Titi Garage, il y a le bar de mon copain. Mon copain, il a Titi Garage. Il a le Texas. Le Texas Nightclub là. Voilà, le cabaret, le Texas. Il est aux États-Unis. C'est mon fiancé. Je ne vais pas parler de lui. C'est mon fiancé. Il a Titi Garage à Yaoundé. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, mamie, il faut biper la fille là. Il faut biper la fille là. Moi, je ne comprends pas que cette fille, maman, tu expliques qu'on a agressé toi. Mais toi, tu as fait quoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je ne comprends pas. Une fille, tu viens là, que tu es toujours belle. Tu es toujours. En fait, on dirait que ça ne te touche même pas. Non, mais explique. Parce que moi, quand je vois le truc de la fille, parce que moi, je ne comprends pas. C'est vrai que les émotions sont différentes, mais si on tue quelqu'un devant toi, hein, tu n'auras même pas la force d'expliquer. La voix ne va pas sortir. Ça va te faire comme le rêve dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie. Quand on te poursuit dans la sorcellerie, tu vas crier, la voix ne va pas sortir. Comment se fait-il qu'on a tué ton ami devant toi? Moi, je parle à la fille là. Parce que moi, je comprends plus ce qu'elle nous explique. Moi, je ne comprends pas. Hein? Si on tue ton copain devant toi par poignard, donc tu as assisté à tout ça, tu ne sais pas conduire. Pourquoi tu ne l'as pas transporté à l'hôpital? Je ne sais pas le temps. Pourquoi tu n'as pas donné moi le volant? Parce que moi, je pense que au pays, toutes les filles savent conduire. Toutes les filles de Snapchat là-bas, au debout debout, Instagram, au debout debout. Vous connaissez conduire, non? Vous savez les grosses voitures, non? On blesse ton copain. Comment se fait-il qu'un? C'est lui qui va au commissariat. Il dit aidez-moi. Toi, tu es tout dans la voiture. Moi, je comprends. Au fait, ça n'a pas de sens. Ma chérie, moi je ne t'accuse, je ne suis pas en train de t'accuser, mais au fait ça n'a pas de sens. Donc en fait c'est incompréhensif qu'on agresse ton ami. On agresse ton ami. C'est lui qui conduit pour commissariat, c'est lui qui descend, il dit aidez-moi. Toi tu assises dans la voiture, je ne sais pas, tu veux dire que c'est le traumatisme. Si c'est le traumatisme, on devait te retrouver aux urgences. Une personne qui est traumatisée, hein. La fille ne devait pas expliquer ça. Quand tu es traumatisé face à quelque chose, c'est à l'hôpital, on allait l'hospitaliser. Elle allait même tomber dans le coma. Je ne dis pas qu'il fallait que tu meures aussi parce que ton copain, ton ami est décédé. Mais tu n'allais même pas avoir la force de raconter que regardez mon ongle. Attends, white, wherever, moi je ne comprends pas. Ma chérie, il faut que tu nous expliques au monde entier ce qui s'est passé quand tu tues ce jeune homme devant toi et tu ne réagis pas. Moi, je ne comprends pas. C'est vrai, le pays vous appartient, mais comment peux-tu tuer quelqu'un devant toi? Tu viens tuer que ton ongle. On ne voit même pas que tu as pleuré jusqu'à tes yeux sont sortis hors de l'orbite. Non, parce que, hein, ma chérie, franchement, hein, tu n'as rien expliqué à quelqu'un, mais tu connais ce qui s'est passé avec la mort de l'enfant là. Tu as fait quoi? Tu veux dire que tu ne sais pas conduire, que tu pouvais même dire que couche, allons à l'hôpital. Vous cherchez comme ça, au lieu de chercher l'hôpital. Tu conduis, tu écrases même les gens qui sont. C'est-à-dire que si ces gens-là vous battent un cadeau, tu. Tu. Moi, je te dis que c'est un truc, hein, franchement. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Parce que quand je regarde la vidéo de cette fille-là, qui a fait sa vidéo pour expliquer les faits. Elle ne pleure pas. Non, il n'y a pas l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose que les gens voient que tu es dépassé, tu es mal. Ou bien c'est après que tu auras mal. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Voici la vidéo là. C'est où même? Écoutons un peu un gars qui parle. Hein. Moi, je ne comprends pas. L'émotion était où? Moi, je ne vois pas. Une fille comme toi, maman, tu allais pleurer, tes yeux allaient tomber, tes yeux allaient sortir hors de l'orbite. Tu allais déjà pleurer toute la nuit là, que même l'explication sur Instagram, là, ta voix n'allait pas sortir. Quand tu allais. On est venu là.
allait jusqu'à ce sont les gens qui allaient te dire que n'explique plus rien. Mais tu viens là, tu parles tranquillement. Ça dit qu'on ne sent même pas quelqu'un qui a pleuré, maman. Même quand tu pleures pour un gars, le matin quand même, tu préfères. Donc, hein, vraiment, il y a des trucs que moi je ne comprends pas. Qu'on sente quand même que tu as trahi. Mamie. C'est même où ça, Congo, ça bat, non? C'est à quel Congo Saba qui a même ça y est. Congo Saba qui est vert là, c'est lequel? Maman, tu viens, tu t'assois. Tu expliques. Le Congo Saba là. Maman, tu parles. Elle s'assoit, elle parle, la fille la parle. Mais de maman, l'enfant de quelqu'un. Écoutons, hein. Je vais mettre, vous allez écouter un peu quelqu'un qui explique, hein. Yeah, l'enfant de truie, maman, non. Yeah. Elle raconte quoi? Maman, la fille là, les filles de. Instagram là, voici ça, écoutez. 22h40. Je suis au groupe Black and White en train de taper des tifs avec mon gars et c'est un gars. Tout le temps là. Après ça, je suis allé regarder un peu chez Isidore Benda comment la forêt se passe là-bas. J'ai mis mon Isidore Benda n'est même pas là, il est à Paris. J'ai trouvé dans Nikita, j'ai trouvé Semengue, j'ai trouvé Siaka, le prince d'Agua, Siaka, qui dort même chez lui, qui dort même dans son appartement avec lui, avec d'autres gars. C'est mis, on a commencé à taper les divers, il avait le poids. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un devant toi, tu ne réagis pas? Petit qui n'avait commencé à boire. On tapait les divers. Après, Siaka, il appelle l'économie, derrière l'économie, le policier, l'économie lui dit, gars, moi je suis en train d'aller chercher un gars, il me donne pas besoin de l'anga. Bref, Siaka lui dit que gars, il me prend, gars. Moi je veux que tu suives, moi je veux que tu suives, il me prend. L'économie était sur qui manager avec Eric Kipchanga. Il dit maintenant, lui maintenant, il faut séparer de chez qui manager. Sans les rangs visitants qui manager. Après, lui maintenant, il quitte pour se retrouver à Titi Garage pour aller prendre Ivana. Moi particulièrement, moi je descends maintenant au Marie-Lise, que tu connais bien chez Isidore. Je couvre Serge Asso, je couvre Justin Gero avec les Sanguine Koua et Oakland. Donc sur la table, on dit que Justin Gero, Serge Asso avec un autre grand là et moi. Avec un vélo, parce que c'est une personne, le reste de la cité que les filles aiment, c'est celle-ci. On est là. Après, Serge dit, bon, gars, on s'amuse là. Ils ont le champagne, il y a une bouteille de whisky. Serge dit, vivez là-bas, on forme tout ça, on essaie dans la voiture. Ils ont aussi dit qu'il part. Et donc, maintenant, quand tous ces grands-là partent, je suis resté donc avec un vélo. Il y a le petit donc qui a mis une fois au Diego, qui a mis mon film présentement, qui a mis mon Diego. N'est pas dans la petite rouge. C'est lui qui s'est réveillé, il s'en courant, il dit gaga. Ça veut dire qu'on vient de dire que l'économie est morte. Et elle a sa voiture garée. On dit attends, on appelle Momo qui est à l'avenue qui l'a dit. On dit à Momo que quand Momo décroche mon téléphone, Momo décroche mon téléphone. C'est donc comme ça que Sanguine sort, dit que l'économie est morte, encore en criant, en pleurant. On demande la voiture, on arrive. À l'homisport, on ne couvre pas encore beaucoup de gens. On couvre le corps étalé. Quand je tourne la face comme ça, je vois que les gens en pleurs. Je couvre les gens pour arrêter de pleurer, crier. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? L'économie. Je viens vers le corps comme ça, je soulève le, il y avait une capuche, je soulève ça. Je dis, merde, le coup, un gros coup comme ça. Sur la poitrine. Ils ont mis le couteau. C'est donc comme ça donc que un gars se rapproche vers nous, il nous dit c'est passé. Parce que lui,
il a vécu avant que ça ne dégénère. L'économie était au courant qu'elle allait prendre Ivana Isomba. À part prendre Ivana Isomba, ça n'a rien à voir avec ce que le gars a dit sur la voix. Lui-même, il n'est même pas, lui-même, il n'a aucune bonne version là. Donc, il ne connaît absolument rien. Ce que nous suspectons encore, c'est que ça peut être recommandé de compte, mais commandité par quelqu'un. Oui. Mais je ne te mens pas que cet enfant a été tellement piqué, poignardé au dos et derrière que on ne peut pas imaginer ce que j'ai de rancune ça. Donc, comme je vous disais, je te disais, donc, il a garé dans la voiture, il venait son père ancré. Il a démarré la voiture. En roulant, donc, il a donc bousculé une moto. Quand il bousculé la moto, le motoman tombe. Ça commence donc à tirer. Donc, ça, la moto s'accroche sur le capot de derrière. Ça commence donc, donc il sent un bruit, il clanque le roulis, il y a un bruit. Entre-temps, quand il se retrouve comme ça, il prend une moto, il voit vraiment le gars, il y a que le gros volant. Comme ça, c'est deux, il voit les motos qui sont derrière lui comme on fait. Il s'arrête donc. Il dit, il y a quoi? Il dit, gars, man, ton voleur, c'est quoi ça dit? C'est pas un voleur. Hey, on le donne d'abord un premier poignard derrière le dos. Tchou! Il rentre dans la société, il dit, maintenant que. Mais les gars, ils veulent m'agresser, Il tourne le temps, elle fait quoi la fille? Les gars prennent le caillou, quand il a retourné comme ça, les gars prennent le caillou, les gars lancent la femme, ça casse pas prendre. La femme les écarte pas carrément, mais ça fait les fissures, les grosses fissures. Il part devant la brigade. Elle pleure l'ongle. Part devant la brigade L'ongle s'est passé. La brigade de Mispol, qui est en face du stade là. Il tombe, il commence à crier. Aidez-moi. Il voit comment les gars sont en train de venir. Il rentre dans la voiture, il demande la voiture comme ça. Il commence à rouler la moto. La moto est toujours sur le capot. Oui, c'est il demande la voiture, il vient maintenant, il voit me donner une bande de gars qui sont là au rond-point, au rond-point là. Comme si tu descendais, comme si tu partais vers Omis. La fille là, mamie, tu vas écouper. S'arrête, elle dit, aidez-moi, sauvez-moi. Tu vas écouper, ma chérie. Quand les gars se rapprochent, si tu es innocent, toi et Dieu. Dis que je vous donne quoi. Donc, un gars inconnu, qu'on ne connaît même pas, qui est identifié, qu'on ne connaît pas, il sort, il met à l'économie ici devant la poire, crème, tchou, long couteau. L'économie a son iPhone, a son porte-monnaie, a ses bijoux, tout ça on le retrouve. L'économie commence donc à courir, il va dans la voiture, il commence à courir comme ça, il va lui tomber avec la tête, boum. C'est comme ça donc il se retourne comme ça, allez, vache, l'économie est mort là sur une place. Les gars maintenant, tous les taxis, les motomans, ils commencent à prendre les routes. Les destinations différentes, les gars commencent. C'est donc comme ça donc il y a une parcouille donc qui est en train de monter à Dove et Force. Une parcouille de la police. Ils voient deux gars sur la moto. Célèbre là. Couteaux se pendaient. On avait le sang. On avait le sang sur ses vêtements. La police dit arrêtez-vous. Donc vous avez dépensé, arrêtez-vous. On laisse sur les armes. On dit que vous sortez d'où. C'est comme ça donc qu'on appelle donc la même parcours pour faire comprendre qu'il y a encore ici là qu'on vient de tuer. C'est comme ça qu'on arrête les deux petits là. On les amène d'abord à la Les vrais assassins ne sont pas les deux petits là. L'assassin était là. Tous là, Karine. Karine, tout le monde est arrivé. Les bleus, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé. La matinée est arrivée. Tout le monde est arrivé. Tout le monde. Le vrai assassin, ce n'est pas les petits bensiquineurs. L'assassin même était là. On est par exemple le code de l'économie à l'hôpital général. L'hôpital général, on est arrivé là-bas, on a trouvé près de 40 corps. Hein? Par terre. Qu'on va mettre là-bas, on n'y a même pas l'espace, il n'y a pas la place. On est parti ici là la morgue qui est tombée là. Même aussi. Je ne sais pas comment on appelle la c'est quoi. Djungolo. On est parti à Djungolo. Plein.
comme ça qu'on dit qu'on peut faire, quand on arrive au secteur, négocier la place. On négocie la place, mais le corps. Tout ça pour mettre dans ta voiture. Il y a la moto et devant là-bas, je suis. On est derrière avec le Ketchanga, tout le corps. On est remonté près de 50, 45 voitures. Putain. Et tout le monde est en pleurs. On arrive dans comme ça. C'est moi qui portais le corps, mais lui-même, il n'est pas du même le corps là-bas. Quand il était dépassé, quand il est en même temps, je vois l'économie fichée, innocente. Je vois les autres corps comme ça qu'on va livrer tout à l'heure. Là. Et à job. Et Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Maintenant, on est en train de faire une, on est en train de mener une enquête. Puisque son téléphone a disparu, on va essayer de crasser ça. On est en train d'ouvrir une enquête. On est en train d'ouvrir une enquête carrément. Donc, la fin, si on va, on saura qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On saura carrément. Tôt ou tard, tu aurais des. Donc après la mort, on a fait une messe là rapide avec un grand foudre légal pour tout le monde là, tous. On a fait une messe pour nous sommes partis chez la maman Bastos. Tu es l'enfant de quelqu'un comme ça. Elle nous a donné cache-nez à tout le monde, elle reste là. Je suis quitté là-bas vite. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait tout ça, c'est pas encore qui va nous mettre le nom à la mort. Voilà ce qui s'est passé, Karine. Voilà ce qui s'est passé. À quel moment est-ce que tu es en vérité? On est en train de parler de quelqu'un qui est Daï, qu'on a tué. Si nous allons voter à. Là-bas, c'est rendre encore les blancs plus riches avant, c'est ça. Hein. Donc, toi, c'est que allons voter. Partez alors voter. C'est parce que tu veux qu'on parte encore rendre le blanc plus riche. Oui. Donc, allons rendre le blanc encore plus riche, c'est ça. Hein. Allez voter alors. Votez massivement. Regardez le gars avec sa main. Les 60 ans de sa mère. Maman, hey! La mère là, ça dit que moi je veux dire à cette maman que maman soit forte. Sois forte parce que Dieu, c'est-à-dire qu'on t'a enlevé une partie de toi. Vous savez, quand t'as pas encore perdu un être cher, parce que les amis là, elles vont bien mettre à Snapchat là, les gars qui buvaient, les filles qui buvaient avec ce gars, avec eux, toutes ces filles vont beau mettre à Snapchat qu'elles ont mal au cœur. Mais la personne qui va souffrir, c'est sa mère. Un seul enfant, c'est la mère là. Et personne ne pourra remplacer son fils près d'elle. Les autres vont continuer à boire leur champagne et aller à Snapchat au debout là-bas. Vous allez continuer au debout. Le jour de la veillée, on sait comment vous allez vous comporter. Chacune va venir se faire voir. Écoutez-moi très bien. Le message que j'envoie à destination des amis de ce jeune garçon. J'aimerais dire à ces filles-là et ces hommes-là, que allaient soutenir la maman-là tous les jours. Allaient dormir par terre au lieu du deuil à Bastos. Allaient dormir là-bas par terre. Quand vous arrivez, pleurez, les larmes coulent. Si vous n'avez plus les pleurs en vous parce que vous avez connu beaucoup de choses, mettez les oignons, épluchez les oignons. Coulez les larmes pour ce garçon. Moi, on m'a dit que c'était quelqu'un qui n'était pas dans les clans. Qu'il était avec tout le monde. Donc j'interpelle, j'envoie le message, je vais couper le live parce que je vais aller suivre The Voice. Il faut supporter Vanushka. Il faut voter pour elle. Mais je vais vous expliquer comment voter pour Vanushka. J'aimerais interpeller les filles de Snapchat. Ça ne sert à rien de mettre 50 posts par jour pour dire que Brian et Fombo étaient votre ami, nanani, nanana.
on veut les actes. Allez pleurer là-bas par terre. Allez assister la maman là. Allez vous coucher au sol. Dormez à la place du deuil. L'enfant, il était jeune. Donc, l'enterrement doit se passer dans la pure discrétion. Ça ne doit pas être un truc que... C'est vrai, il aimait la fête. C'était quelqu'un qui, en même temps, sa mère doit lui rendre un dernier hommage en faisant ce qu'il aimait. Mais je veux dire à ces filles-là qui vont aller au deuil, à toutes ces personnes qui vont aller au deuil, que ce n'est pas un deuil pour se faire voir, ce n'est pas un deuil pour chercher les clients, ce n'est pas un deuil pour vendre le piment. C'est un deuil que vous deviez pleurer, les larmes coulent. Pleurer, les larmes coulent. Même si vous ne pouvez pas pleurer, forcez les pleurs. Pensez même à un gars qui vous a barré. Oui. Pensez même à un homme qui vous a barré depuis From. On dit que c'était la Bibiche Bams, dit que c'était l'ami de tout le monde. Donc coulez les larmes pour ce gars. Pensez même à un gars qui vous a barré. Pensez à une déception amoureuse pour les filles qui n'arrivent plus à pleurer là. C'est qui est sûr, vous avez toujours un gars qui vous a largué, que ça vous fait toujours mal. Donc, pensez à ce gars-là, vous pleurez, les larmes coulent. Ce n'est pas que, même caché derrière les lunettes noires, si tu pleures, les larmes coulent. On saura que tu as pleuré, les larmes ont coulé. J'envoie beaucoup de courage à sa famille. Que sa mère soit forte, que ses amis soient forts, ses amis de l'argent, ses amis de l'ambiance, ses amis que... Mais Dieu s'y prend les gens. Parce que c'est pas tout le monde que Dieu va prendre comme ça. Pourquoi on ne peut... C'est-à-dire que pourquoi ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre? Pas lui. Un gars comme ça, quand tu le regardes, tu sens un gars qui est innocent. Un gars que... Un gars qui n'est pas haineux. Regardez le visage du gars. Regardez. L'enfant de truie, j'avais téléchargé les photos dans mon... Écoutez la fille. Voici la fille qui parle. Ah, la fille qui parle. Oh. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Écoutez quelqu'un qu'on vient de tuer devant. Écoutez, hein. Écoutez. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui écoutent l'audio. Je ne vais pas mettre long, donc je vais juste prendre un peu de votre temps pour essayer de ramener en quelque sorte certaines jeunes filles, certaines filles, certaines de mes copines, pour essayer un peu d'ouvrir les yeux. Ouais, c'est pas possible. Si tu sais que tu es la nourriture des grands, laisse les enfants des gens tranquilles. Je te dis, si tu me laisse les enfants des gens tranquilles. Les grands n'aiment pas partager leur job. C'est quoi? La vie, c'est un choix. Ou tu choisis marcher avec les big, avec les boss là, avec les milliardaires, avec les hommes puissants. Ou tu choisis d'avoir ton bon gars et vous évoluez ensemble. La vie, c'est un choix. On n'a pas les deux. On n'a pas les deux. Vous voulez le mbindailleur, vous voulez le beau garçon. On n'a pas les deux. La vie, c'est un choix. Oui, ma moi, personne, appelle-moi sur le téléphone. Ma et puis aujourd'hui, je attendez, je tu veux être en haut en même temps en bas. Ce n'est... Pardon, excusez-moi, c'était une amie de... C'est une amie de Ivana là qui m'appelle. C'est un de ses amis. Non, on ne m'a pas signalé. C'est un ami de qui veut envoyer la vidéo. Parce qu'apparemment, la vidéo que j'ai mise, ce n'est pas ça. Vous avez fui. C'est une amie de la fille qui m'appelait.
pour me dire que non, la vidéo qu'elle vient de mettre, que ce n'est pas elle. Donc il m'envoie ça tout de suite. Ouais, mon Dieu. Attends, je le prends. Allô, ma personne. Il faut que tu appelles Ivana là quand même. Hein. Est-ce qu'elle décroche même le téléphone? Si tu veux, tu m'appelles là. Si tu veux, tu m'appelles pour ce numéro. Maman. Ouais. Maman. C'est quoi, non? Comment envoyer? Parce que apparemment, attendez. Donc, ma personne, c'est elle. Donc, tu vas cliquer sur le lien. Ça va te rediriger vers YouTube directement. Ah, c'est sur YouTube, d'accord. Non, c'était quelqu'un qui me disait que ce n'était pas elle. Là voilà. Tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais lui comprend mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée. On ne m'a pas. On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressé. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. Excusez-moi. Ça, c'est la fille qui était présente lors de l'agression. La fille que le gars est parti chercher et il s'est fait tuer. Ça, c'est la version des faits de la fille que le gars est parti chercher à Titi Garage et il s'est fait tuer. On va reprendre. Là voilà qui parle au debout debout. Bonjour à tous. Je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais lui comprend mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Pratiquement traumatisé, mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillé, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la vidéo. On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo, mais ils m'ont agressé. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. Donc, tu as discuté le téléphone. Bon, voilà la personne qui est... Attendez, je m'en vais dedans parce qu'il fait froid. Je m'en vais dedans, je m'en vais continuer dedans. Elle dit que quoi? Cette jeune chouette raconte que quoi, maman? Qu'elle soit avec les riches. Je m'en vais dedans. Pardon. D'être solidaire, d'être soudée. Maman, tu ne pleures même pas. Un être qui était cher. Tu ne coules pas les larmes. Tu ne pleures pas. Ou de... Yeah, ma chérie, non, tu dois être... Ça peut arriver à tout le monde. Attendez. Bonjour à tous. Je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais lui comprend mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. Ça se voit. On ne m'a pas déshabillé, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la vidéo. On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressé.
Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle, comme vous voyez. Un ongle. Voilà. Quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est mon grand-père. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un... Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés, au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Que ça serve de leçon. Moi, attendez un peu. Attendez. Pardon. Vous qui êtes spécialiste des débriefings, des réseaux sociaux, là. Tout court, maman Guylaine Chapuis. En fait, moi, je ne comprends pas, en fait. Non, mais je vous assure, sans le connaître, je suis choquée. Je n'ai pas dormi. Donc, depuis, je n'ai pas dormi. La fille pleure les ongles qu'on fait à... Elle pleure qu'on a cassé un ongle. Ce sont les faux ongles. Ce sont les faux ongles. Elle pleure, elle s'est débattue pour le portable. C'est quoi? Même l'iPhone 10 ou l'iPhone 21 ou c'est combien là? Ma chérie, quand je regarde ton visage, parce que les gens m'ont dit que Fleur de Lys et tout, on ne peut pas prendre la vie d'un être humain comme ça. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi pour défendre? Cette fille a fait quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui a été poignardé et tout, pardon, laissez-moi. Je vais attacher comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas là pour montrer ma poitrine parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je vais savoir. Elle est traumatisée. En fait, quand je regarde même son explication, c'est le traumatisme qui fait qu'elle s'exprime comme ça. Elle est traumatisée. C'est quand tu es dans un choc émotionnel trop puissant. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je pense que je n'avais pas encore vu la vidéo. C'est le choc. Cette Ivana-là. Elle est tellement choquée que... Voilà pourquoi elle s'exprime, elle n'est même pas avec vous. C'est-à-dire que la vidéo aussi là, elle n'est même pas avec vous. Elle parle comme ça, mais elle n'est pas encore descendue sur terre. Vous imaginez la maman là. Vous imaginez, c'est un enfant unique, maman. Il y a plusieurs façons de pleurer le deuil, c'est vrai. Parfois, tu perds quelqu'un, tu n'as pas envie de pleurer. Ça n'arrive pas. Ça fait mal. Et moi, je ne comprends pas que le gars... J'étais en train de regarder Prison Break. Moi, je regarde Prison Break depuis des années. Je remets. Même quand le DVD existait, j'ai acheté la collection à la FNAC. Ils sont en train de s'évader là. Donc... Maman, quelqu'un me dit que quoi que je suis en ménopause, hein? Ma chérie, c'est toi qui vois que je suis à la ménopause. Pas parce que je n'ai pas mis le rouge à lèvres, je n'ai rien mis. Moi, je travaille, moi. Je travaille, je suis fatiguée. Même demain, dimanche, je vais aller travailler. Faut pas tout dire que quelqu'un m'appelle. Oui, ma personne. Non, je n'ai pas mis sur parler, ma personne. Oui, tu as appelé Ivana. Non, tu ne sois pas. Je n'ai pas défendu Ivana. Ouais, Ivana, c'est ton ami, non? Tu l'as appelée. Oui, tu as parlé avec elle aujourd'hui. Elle n'a pas décroché. Mais comment elle parle du gars? Elle n'est pas émotionnelle. Les larmes ne coulent pas. Donc, le gars, il y a ça avec elle. C'est elle qui va se déclarer officiellement comme la veuve. Je l'avais vu, non? Il y a un truc là à la montée, à côté de... Où il y a Chopé, il y a un arabe là.
un Libanais qui a un truc là. J'étais là-bas, je l'ai vu, elle était assise avec le boss là. Ils étaient là. Quand on m'a dit que c'est lui là-bas, j'ai guetté, j'ai dit que c'est lui là-bas. Il était bien. Merde. Maman. Oui. Oui. Donc Enya savait les deux. Elle avoue au boss que Enya savait les deux. Et les filles, les partouzes de ça. Oui. Et les femmes. Oui. Hein? Il est en ligne. Son... Mais Fombo, comment il est mort? Il est encore en ligne sur WhatsApp. Qui a le téléphone? C'est à sa mère. Qu'elle remette le téléphone à la mère de Fombo, non? Mm-hmm. Est-ce qu'on a, oh, parce qu'on n'a pas volé son téléphone. Elle bloque. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Mais deux. Ma... Voilà, ça ne n'ira nulle part. L'affaire là, c'est pour ça que quand on dit qu'on a arrêté deux jeunes bersikineurs là, moi je dis que ça n'ira nulle part. Que la matière là pleure seulement son deuil et ses amis ils laissent comme ça parce que on dit que les gens le écoutent ici dans ce pays, c'est ça. Le lesbinage de ça. L'aiguinage de ça. Oui. Maman, la carte que le type est comme ça, là, dans son banc. En bas, alors, comme il est comme deux pommes à genoux. Ma personne, comme il est comme deux pommes à genoux, dans son banc, il a alors le truc entre les cuisses. La gnasse de ça. Et ma personne, pardon, il faut que l'angala, tu lui dis que son retour qu'elle a même fait sur Snap ou c'est debout là, quand elle part, tu ne vois pas les remords. Elle n'était pas obligée d'aller parler. Elle pouvait ne rien dire. Oh! Je te dis. Elle pouvait même se déshabiller, non? Elle se mettait en route, elle enlevait les habits sur elle. On n'a pas volé la moto. La moto de quoi? Le gars, là, ne peut pas payer une moto. Que, même si on dit que la moto, il dit que oui, c'est pas grave, je vous donne même 300 000 pour la moto. Il peut manquer ça. Moi, je vois les gens qui sont en train de commenter que oui, Flo, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu la défends, cette fille est méchante. Maman, je la connais où? Ouais, mon Dieu. Maman, les enfants des anciens ministres, là, ils sont l'immunité, non? On appelle ça une immunité, non? Maman, ils sont protégés. Écoute, alors, les gens, mais les fleurs ne changent même pas de bouche. Ma personne... Ma personne... Tu sais ce qu'on me dit? Flo ne tente même pas de changer de bouche. Ne change même pas de bouche, même un peu, parce que... Que... Maman, je dis qu'il y a alors, comme était-elle là, que... C'est un fouteux là qui m'a envoyé, un fouteux bracata. Un fouteux là qui m'a envoyé alors les images d'hier matin. Ma personne, je n'ai pas dormi. Si j'avais le manga, j'allais filmer. J'allais filmer moi le manga. Personne. Je n'ai pas dormi. Je suis rentrée. Comment je suis allée work là, non? Et je t'ai envoyé mon rib là, non, mon frère. Ma personne, mon rib, je t'ai envoyé le rib. Pardon, fais le truc là. Tu sais que la cotisation continue, non? Même comme les jaloux. Maman, vous travaillez pour salaire, n'est-ce pas? C'est pour votre mafou.
Je vais chop propre. Ouais, ma personne. Je t'envoie le rib. Le raccouchement, on tape le divers. Quoi, ils vont attendre. Quelqu'un me dit que j'ai exagéré, que je suis en train de défendre Langa. Maman, les gens, hein. Maman, ils sont en train de me dire que oui, Flo, ne tente même pas de changer de. Arrête de défendre Ivana. Maman, je ne l'ai pas défendue. J'étais en train de dire que la façon qu'elle parle, c'est l'émotion. Mais il y a des personnes que quand ils ont mal, on ne voit pas. Quelqu'un me dit que je suis sûr que Flo va supporter la fille là ou non. Non, arrêtez vos histoires là. Merde. Pourquoi vous êtes comme ça? Maman, dont la fille là, c'était son yasseur. Son binailleur. Donc, binailleur avait les deux. Pardon, ma personne, n'oublie pas d'appeler pour voter pour Vanouchka. Pardon, vote pour elle. C'est même à combien? Verouchka. Verouchka, allez voter sur TF1, ça a commencé. Dans quelques minutes, ça commence. Ok, ma personne, je t'envoie. Je t'envoie mon rib là tout à l'heure avec mon numéro personnel. Bisous. Ma personne, ajoute-moi encore même Goma encore, non. Le waka de ça. Maman, ils sont en train de vendre le piment en live. J'ai vendu le piment à un gars là. Pardon, excusez-moi, c'est mon client. Je vendais le piment. Que voici une veuve. Voilà une veuve. Voilà une veuve. Elle parle quoi comme ça, la veuve-ci? Voilà une veuve. Bonjour à tous. Je suppose que c'est pas la grande forme pour... Voilà la veuve, comment elle brille. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais... Verouchka qui chante maintenant, après... Vous allez venir, vous avez vu. Je suis choquée. Je suis pratiquement... Non, écoutez. Allez voter. On laisse. Bon, on remet tout entre les mains de Dieu. Beaucoup de courage à sa famille. Allez voter sur TF1. Écoutez-moi très bien. Allez voter sur Verouchka sur TF1. Vous allez bien suivre l'émission. Attendez, je mets même TF1 là. Attendez, je fais la télécommande ici. Allez mettre TF1. Attendez, j'enlève parce que je suis en train de suivre Prison Break. Je ne sais pas pourquoi. Regarde-moi quelqu'un, il me dit que jusqu'à tu ris. Tu sais qu'elle rit par rapport à quoi? Verouchka, allez appuyer. Attendez, je vais vous dire, parce que vous les Africains, vous êtes un peu compliqués. Attendez. TF1. Verouchka, pour appuyer des voices. Composez le numéro, ça ne va pas vous prendre beaucoup d'argent. Val de Voice qui a commencé. Tout le monde, c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne, maman. C'est le Cameroun, il faut supporter le Cameroun. Là, voilà, hein. Attendez, je vais vous montrer. C'est parce que quelquefois, voilà, c'était... Votre sœur va chanter. Les vraies paroles, alors ce soir, on a tout ce qu'il faut. Non, c'est vrai, t'as fait ta plus belle prestation ce soir. Elle a déjà chanté. Bravo, écoute, maintenant, c'est le public qui va décider, mais c'était top. C'est très émouvant aussi. C'est son coach, là. Aujourd'hui, se retrouver ensemble, ça nous a manqué beaucoup. Donc, tu m'as manqué, en tout cas. Voilà, donc merci en tout cas. Merci. Appuyez pour elle. Merci beaucoup. Et ma chère Verouchka, bravo. Tes proches et ta famille te suivent, regarde. Regarde, ils sont là. Nous sommes là. Oh putain, elle est belle. C'est trop cool. Voilà votre soeur qu'il faut voter pour elle. On vous voit à la maison aussi. Attention, je vous vois dans la cuisine là. Oui, oui. Votez pour elle. La capacité de spectacle. C'est la finale. Verouchka, mais c'est aussi... Verouchka. Oui, et puis elle a une façon de vraiment de phraser parfois qui est très surprenante. Elle est incroyable, une dextérité vocale qui est vraiment inhabituelle. Elle est, pourtant, c'est une chanson qu'on connaît très très bien. Et Pascal a raison, c'est une des plus belles performances qu'elle ait faites depuis le début. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Elle doit faire le régime après. Pour toi,
Vous savez, dans la musique française, si tu veux évoluer là, il faut perdre du poids. Elle doit maigrir. Ouais, elle doit maigrir. C'est important pour elle. Si elle veut évoluer en France, elle doit perdre du poids. Même s'il faut faire l'opération, je fais. Oui, oui, oui. Merci, Verushka. Bisous, ma chérie. Bonne chance à toi.